Bonjour, dis activité ça, c'est pour nous continuer à marquer 3 avril. 3 avril là, c'est journée nationale femme haïtienne. Hier, nous avons marché dans le Nord-Est avec les plateformes Jean dans le Nord-Est. Parce que AFASDA a couru l'organisation ça. Et c'est nous-mêmes comme pionnières qui avons fait, mesdames Nord-Est, commencer à réunir, organiser en association. Je dis encore, on a continué dans le cadre et renforcement que nous gagnons ensemble avec Voix et l'IDH des femmes VLF pour Femmes Pidjom. Parce que nous avons besoin de clôturer l'année 2 de projets que nous gagnons ensemble avec eux. Et dans 3 avril 1986, je dis à 3 avril 2022, ça fait 36 ans depuis nous-mêmes, femmes haïtiennes, nous avons pris la rue. Pour nous être capables de charrier toutes les revendications après la dictature du Valière. Pour nous être capables de dire à travail égal, salaire égal. Pour nous être capables de dire que la démocratie n'est pas faite sans femmes pas là, ou du moins au détriment de femmes. Et nous voulons marquer une journée en tout pour nous dire que si 36 ans nous avons marché, dit ça, nous avons dit ça, je dis, ça fait 36 ans, il faut que nous changions le slogan. Alors, le slogan à face à venir ensemble avec, c'est Yon Haïti uni sans violence. Yon pays côté que nous avons rassemblé force nous pour nous capables de retourner dans la devise nous, l'union fait la force. Il voulait un pour que partenaire ça y c'est une organisation qui viable donc structure de gestion y a renforcé et puis il voulait pour qualité service fait à Bali y a amélioré service surtout sur un plus grand nombre et plus grand et population plus monde jeunes services et aux jeunes services de qualité et puis question renforcer réseautage là faire ce que mesdames yo mettez ensemble mettez en réseau pour porter des revendications yo ça c'est un bon appui ça c'est un jarret que porter en appui à mouvement féministe haïtien yo le pas de féliciter à face à ça c'est la relève de générationnelle le nom de la face à gagner le jeune qui implique non seulement dans la structure de gestion à face à. Ça a montré qu'au dernier départ, jeunes nous impliqués, donc nous avons au moins à travailler pour que le AFASDA, le monde pionnier, l'idée là, nous commençons à parler des jeunes qui apprennent la relève. Et nous avons appris ceci, intéressé à ça, pour faire les jeunes qui participent davantage. Donc ça, c'est un bagage à féliciter. Donc c'est vrai, nous sommes loin. Bataille nous propos fini à travers un programme Voyez Leadership des femmes. Nous espérons, encore ceci avec Bourad à Ferrozal Canada, capable de permettre aux partenaires de porter des revendications, réaliser des actions, de toucher la population, faire voir l'arrivée de Pimon. Parce que c'est Bourad pour nous décider d'avoir, pour nous réfléchir, pour nous garder qui peut nous délier, qui peut nous sortir et évaluer.